Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans Opinion GPT. Et pour cet épisode d'Opinion GPT, eh bien, on va parler d'un sujet que tout le monde se pose. Mais qu'est-ce qu'on cuisine? Et qu'est-ce qu'on va manger, évidemment? Et c'est pas toujours facile d'improviser et on fait que des classiques. Et alors, je me suis dit que cette opinion, c'est pas une opinion, littéralement. C'est plus, soi-disant-le, démontrer un peu les capacités de ChatGPT de faire, soi-disant-le, ce que un humain n'aurait jamais fait, ou presque, on ne le sait pas. J'ai essayé de chercher la recette en question et bref, on a donné plusieurs propositions différentes et vice versa. Mais bof. Alors donc, voici la question que je lui ai, la demande, parce que c'est pas une question, c'est une demande et tout ça, et je lui ai dit, propose-moi une recette improvisée. J'ai oublié de mettre mon accent aigu E, parce que c'est une recette, bref. Une recette improvisée type cuisine fusion. Alors, pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la cuisine fusion est de combiner un plat avec un autre plat issu d'une autre culture. Et bref, dans toutes les cuisines du monde entier, ou presque, on retrouve de la cuisine fusion. Et bref. Alors donc, voici ce que ChatGPT, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat. Et ChatGPT dit, bien sûr, voici une recette de taco-sushi fusion qui combine les saveurs et les techniques de la cuisine mexicaine et japonaise. Alors donc, un mariage Japon et Mexique. Alors donc, pour tous ceux-là qui sont amateurs de sushi, restez très bien à l'écoute parce que je pense que ça pourrait être peut-être une inspiration pour vous. Alors donc, les ingrédients pour ces tacos sushi. Non, si je réussis à baisser. Bon, merci. Bref. Alors, donc, nous avons besoin de 200 g de saumon frais coupé en petits dés. Un avocat mûr coupé en tranches fines. Une demi-tasse de mangue mûre coupée en dés. Un quart de tasse d'oignon rouge finement haché. Deux cuillères à soupe de coriandre fraîche hachée. Deux cuillères à soupe de jus de citron vert, ou sinon, je ne sais pas si c'est de la lime, bref, en tout cas. Par la suite, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à café d'huile de sésame, 8 feuilles de nori, soit les algues séchées pour faire les fameux sushis, et 8 petits tortillas de maïs, donc on connaît pour faire les tacos, et au goût de la sauce piquante, évidemment. Alors donc, ça sera une fiesta avec du saké, on pourrait dire. Bref. Alors donc, voici les instructions pour faire cette recette. Alors donc, dans un bol, mélangez les dés de saumon, de la sauce soja, l'huile de sésame et la moitié de la coriandre hachée. Laissez mariner pendant, je veux dire, environ 10 minutes. Pendant ce temps,
préparer les ingrédients de la garniture de taco. Alors donc, couper l'avocat et on l'a dit en tranches fines, les mangues en dés et l'oignon vert en, pas l'oignon vert, mais l'oignon rouge en petits morceaux. Mélangez-les dans un bol avec le jus de citron vert et le reste de la coriandre hachée. Il va y avoir beaucoup de coriandre. Et réservez. Réservez veut dire que mettez de côté et n'y touchez plus. Faites chauffer les tortillas selon les instructions de l'emballage et attention, la première fois, ce n'est pas facile pour certains comme moi. Bref, ça a fini tout séché dans le four micro-ondes. Bref. Quatrième étape, placez les feuilles de nouilles sur une surface propre et placez une tortillas chaude par-dessus. Je veux dire par-dessus. C'est ça, j'ai dit par-dessus. Bref. Cinquième étape, répartissez une petite quantité du mélange de saumon mariné sur la moitié inférieure de la tortilla. Sixième étape, ajoutez une généreuse cuillerée, une généreuse cuillère du mélange avocat, mangue, oignon par-dessus le saumon. Ajoutez quelques gouttes de sauce piquante selon votre préférence. Vous pouvez pas ou les mettre, mais bref. En tout cas. La huitième, pliez la tortillasse en deux. On va refermer. Et... Pardon. Comme on dit, la fiesta, c'est ce qui arrive. Bref. En utilisant la feuille de nourrit comme support pour maintenir le tout en place. Eh bien. Déjà, on imagine dans sa tête, rendu à la huitième, je m'imagine déjà à quoi ça pourrait ressembler, ce... Et si ça pourrait faire, je sais pas, des amateurs de sushi, mais en fusion seulement. Bref. Neuvième, répétez le processus pour les autres tacos, soit disons-le, ce qu'on a dit entre entre la 4 et la 8, la huitième étape. Et puis, servez immédiatement, coupez en deux si nécessaire pour mettre en valeur les couches colorées et les saveurs. Ces tacos sushi fusion combinent la fraîcheur des ingrédients du sushi avec la convivialité des tacos, créant ainsi une expérience culinaire unique qui mélange les cultures mexicaines et japonaises. Profitez-en. Et je pense que on arrive déjà à la fin de cette vidéo de opinion GPT. Et tout juste pour vous dire que peut-être cette recette-là pourrait être une recette estivale à essayer. Pourquoi pas? Et sur ça, je vous dis au revoir pour un prochain épisode de ChatGPT, et si je vous ai mis l'eau à la bouche pour essayer cette recette-là, eh bien, peut-être que votre ChatGPT vous proposera peut-être d'autres recettes de cuisine fusion ou pas. Alors donc, voilà. Ciao!